Salut tout le monde, c'est Alpha Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de leak sur GTA V Online, comment avoir deux fois l'emblème de crew sur un t-shirt alors qu'on peut l'avoir qu'une fois. Donc ce glitch est vraiment un des glitchs les plus simples, je trouve, de la 1.35. Donc il vous faudra aller dans les hauts, dans un magasin de vêtements, dans les hauts, et vous allez prendre le débardeur blanc. Alors, débardeur blanc. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le blanc, évidemment, et vous allez aller dans les emblèmes de crew. Et vous mettez, par exemple, l'arrière. Donc, il vous faudra sauvegarder une tenue où vous avez l'emblème de crew devant. Par exemple, si vous voulez faire comme moi, il faudra avoir sauvegardé une tenue avec l'emblème de crew devant et vous prenez un débardeur avec l'emblème de crew derrière. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez vers la caissière et vous allez prendre la tenue sauvegardée, par exemple celle-là. Vous l'équipez et voilà, vous avez deux fois votre emblème de crew. Donc, c'est vraiment super bien. Donc, j'ai rejoint un nouveau crew, c'est le crew de Azrox officiel, donc je vais vous le montrer. Donc voilà mes crews, voilà. Donc là vous voyez, donc. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et laisser un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Alpha Gaming. Ciao.